Bonjour mes petits soeurs, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo bien sûr. Et quelle vidéo? C'est la Webbox du mois d'octobre que je viens d'avoir tout juste à l'instant. J'ai juste fini de faire mes petits cheveux et du coup je ouvre la box avec vous. Je ne sais pas du tout cette fois-ci, je ne l'ai pas encore regardé. J'ai juste retiré le carton qui la protégeait. Parce que je me dis, ça fait quand même beaucoup de bruit. Et il y a mon adresse en plein sur le carton. Du coup, je voulais pas qu'on voie mon adresse. Et on est parti pour une box. Du coup, comme tout le temps, elle s'ouvre comme ça. Et elle est très belle. Avec une tasse de café. Celle qu'on a déjà eue, mais elle est très belle. J'aimerais bien un petit peu de changement. C'est annoncé du changement. J'ai reçu un mail en disant qu'ils allaient changer. Et c'est peut-être pas une bonne, c'est peut-être une bonne idée. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que je suis abonnée à eux. Mais c'est vrai que les boîtes, ça prend quand même un peu de place. Mais ça fait du rangement parce que je range certains de mes livres dedans. Excusez-moi. Je range mes livres. Je range aussi les petites figurines que je vous ouvre sur la chaîne. Comme il y a eu l'autre fois les puzzles, machin, je ne sais plus le nom exactement. Que je les mets dans une boîte en attendant pour pas me les... pour pas que mon chat me les pique et qui s'abîme et qui prend la poussière. C'est vrai que c'est bien pratique, ça range tout. Bon, l'intro est un peu longue, du coup on va commencer à s'ouvrir et on a toujours le petit papier. Bonjour, voilà, c'est le petit colis c'est à présent entre vos mains. Nous saurons-ils combien comptera bon appétit de lecture. Comme d'habitude, gardez un beau petit papier, je sais pas comment ça s'appelle, enfin soit de soie rose. Je regarde pas parce que là on a le papier des goodies. On a directement les livres que je vais mettre sur le côté. On va regarder d'abord les goodies que j'ai là. Du coup on a toujours les deux marque-pages. La citation, la lumière est dans les livres, laissez-la rayonner. De Victor Hugo. Ils sont très beaux, c'est ceux qu'on avait déjà. Je crois que c'était la même citation. Je mets de côté. Du coup là, je vois une barre, bâton de chocolat noir intense. Le conte de Mathieu. Voilà comment ça se présente. On verra si c'est une barre de chocolat. La date est bonne. On verra bien. Je regarderai ça dans la description. Enfin, dans le... Et alors, j'ai vu qu'il y avait un machin vert, comme ça. Je suis un peu triste parce que j'aurais préféré une autre couleur. Je ne sais même pas s'il y a un Bic rentre là-dedans. C'est une trousse, normalement. Mais les Bic rentrent jamais là-dedans. Je vais fermer le Bic, quand même. Ah, s'il rentre. Mais c'est vraiment juste, hein. C'est une petite trousse verte avec... marqué un petit colis. Je crois que je vais mettre mes petits marqueurs fluo comme ceci. Je les chope, ces marqueurs là je vais les mettre dedans parce que vous savez pas, mais pour le moment je reprends les cours de français pour remettre à niveau. Du coup je vous montre la box et vite je vais la refermer comme ceci et on reprend le petit papier avec les deux livres qui sont dedans. Je vais en prendre qu'un seul. Je sens un petit peu, il y en a qui est un peu plus gros que l'autre. Bon, on va prendre celui-là. Je ne vois pas. Voilà. Je regarde. Le sauvage. Le Gental Ferrando. Aux poches. Et dans poche. Regardez qu'il est beau. Par contre... c'est ce que j'avais regardé et j'ai vu qu'il y avait 6 saisons de ce livre. L'écriture est bien. Alors, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas... J'ai pas envie de me spoiler aujourd'hui. Lord de fin surprend un petit ami avec une autre femme. Son mode s'écroule. Pour se vanter, elle fait alors une chose stupide en couchant avec le frère de celui-ci. Zex est un clic-plic tatoué
ultra sexy et véritablement mal agencé, qui dirait un gagnant de motard. On verra bien la suite. Je vais pas lire tout parce que ça me donne l'eau à la bouche. J'en ai tellement à lire pour le moment que je ne sais pas quoi faire. Alors, on va faire le deuxième. Hop, je le vois pas. Oui, il y a plusieurs tomes aussi. C'est tome 1, celui-ci. Ne touche pas. Elle est belle, la couverture. J'adore. Ça donne aussi envie de lire. Voilà. C'est nickel. De Michel Lafon. Aux poches de Karine Chiki, je sais pas quoi là. Il est beau, j'aime bien. Je sais pas pourquoi c'est barré. Je suis autiste, j'ai un don. Je suis plus fort que l'homme, qu'un homme. On me touche ses pouvoirs. Il me donne pas d'impression. Je me venge. Je me vengerai. Je ne sais plus parler, c'est pas grave. Il est très beau aussi. J'adore les deux livres que je viens de recevoir. C'est très joli. Du coup, celui-là, il va me falloir les autres saisons pour le lire. Enfin, je commencerai celui-là et il faudra que je commente les autres. Et celui-là, il faut que je regarde s'il y a plusieurs saisons. Enfin, je vais demander sur mon groupe. Et si ça vous intéresse, j'ai un groupe Facebook et Messenger que je vous le mets dans la barre d'infos. Enfin, Messenger, non, il faudra juste me le dire sur le groupe Facebook. C'est, je sais plus le nom du groupe déjà. Oh, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Mon groupe de... Allez, j'ai mon téléphone qui se met en paysage. Et le groupe, c'est Les Amours du Livre, je vous montre. Je sais pas si vous allez bien voir. Je pense que oui. Pourquoi tu veux pas te montrer? Je sais bien que parfois il faut le mettre comme ceci ou comme ça. La lumière peut-être. On va diminuer un petit peu la lumière. Je sais pas si maintenant vous allez mieux voir. Enfin, voilà, c'est Les Amours du Livre. Rejoignez-moi sur ce groupe. On parle de tous les livres qu'on lit, qu'on adore, qu'on voudrait acheter, les box qu'on a eues. Dites-moi tout ça en commentaire. Ça me ferait plaisir si vous avez envie de me rajouter sur le groupe Facebook. Ou vous mettez votre nom Facebook et je vous rajoute. Ça n'a pas un problème, vous marquez Facebook et puis votre nom et je vous rajouterai. Voilà les deux livres qu'on a eu dans la Weebox. Dites-moi lequel que vous avez envie de me piquer. Lequel que moi j'ai envie de commencer, je sais pas. Les deux, ça me tente. Franchement, j'en tente. Mais j'en ai encore plein à lire. Je sais pas si je vais les lire tout de suite. Mais par ça, ils sont trop chouettes. Les couvertures sont trop belles. J'adore, je suis fan. Et dans une bibliothèque, ça donne super bien. Voilà, je suis désolée si vous entendez les bruits de voiture, mais... aujourd'hui il fait bon, hier il pleuvait, aujourd'hui il fait bon, du coup je laisse ouvert un petit peu la fenêtre pour aérer ma chambre de cette odeur qu'on a la nuit. Du coup voilà, et dites-moi en commentaire, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, surtout de vous abonner, de mettre la petite cloche pour pas avoir toutes les notifications de mes sorties de vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye tout le monde. Bye bye.